10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien voilà les amis, eh bien voilà, le moment est venu. Danny Valor en direct live sur Montréal Radio Cité, ainsi qu'une invitée surprise, très grande amie de Danny Valor. Je vais l'appeler tout de suite. Allô? Allô Danny? Coucou Danny. Tu m'entends? Ouais, oui, je t'entends à merveille. Bonjour. Allô? Allô, Danny? C'est la surprise, là. Oui. Eh ben, on a une petite surprise pour toi avec, avec Agnès. Alors, il faudrait couper la radio derrière vous. Oui. J'entends, mais c'est très fort, là. Oui, il faudrait couper la radio. Oui? Oui, Danny, bonjour. Comment vas-tu? Allô, allô? Oui, Danny? Allô, Danny? Oui, je t'entends. Ah, super. Voilà. Comment... C'est pas facile, à Montréal, France, ça, ça passe pas bien. Ouais, même sur les CD, c'est pareil. Là, ouais, 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 oui. la prochaine fois, on va essayer la téléportation. Eh ben, on voulait te faire une surprise avec Agnès. On a Agnès en ligne qui voulait te dire bonjour. D'ailleurs, je t'ai dit bonjour, Dany, si tu m'avais entendu au début. Bonjour, ma très chère Dany. Il y avait un boucan pas possible, donc j'entendais rien du tout. Il a dit, écoute, moi je te fais de gros gros bisous et merci d'être là. Hein, c'est comme si tu étais à côté de moi, c'est super. Oui, c'est trop beau. C'est trop beau, Dany. Je t'en fais aussi tout plein de gros bisous. Merci. Ouais, je t'embrasse. Oui. Et puis à très bientôt. Eh bien, bientôt, oui. J'espère. Ah ben, oui. Au sein de l'Ouest. Bien sûr, bien sûr. Les réservations sont faites. J'attends que ça. D'accord. Mm-hmm. Ben, moi je t'attends. Voilà, très bien, c'est bon. Allez, à bientôt. À très bientôt, je t'ai fait plein de gros bisous et tout de bon encore, hein, Dany, pour toi. Moi aussi. Mmh. Bisous, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Agnès. Et je t'en prie, Chamonix, merci à toi. Ouais. Et on a une autre surprise pour toi, Dany. Oui, alors. On a Maria, qui voulait te dire bonjour. Ma Maria. Bonjour, ma Dany, je t'adore. Bonjour, Maria. Ça va bien? Oui, ça va, puisque je t'entends. Très contente merci, d'être là avec toi merci, aujourd'hui. Hein, tu es là avec moi, et c'était pas évident, mais voilà, tu es là. C'est tombé la journée que je suis congé, hein? Ça fait du bien. Oui, super, super. Je vais te souhaiter aussi, Jules Pâques. La cerise sur le gâteau. Merci. Jules Pâques pour toi et ton mari et toute ta famille. C'est gentil. Merci. Et gros bisous. Je te laisse avec Chamanon. Ciao. Bisous. Ciao. Au revoir, Maria. Au revoir. Eh bien, maintenant, Dany et tous nos auditeurs, je vous présente Dany Valor, une vraie bête de scène. et je sais ce que je dis. Parce que si jamais vous avez l'occasion de voir certaines de ses vidéos sur YouTube ou sur Facebook, vous verrez que je vous dis la vérité. Dany, on va parler un peu de ton actualité, là. Oui, avec plaisir. J'ai entendu dire, de très bonnes sources, que le 5 mai, tu seras en concert à Nice. Oui, je serai à l'amphithéâtre Garibaldi à Nice pour un concert avec donc mes musiciens et également des artistes tels que Agnès qui va venir chanter ses chansons, deux de ses chansons. Il va y avoir donc Christelle qui va interpréter une des chansons que je lui ai faites spécialement. Et également, ben, il va y avoir une autre artiste, Mlle Alice, qui va nous interpréter une de mes chansons. Et puis évidemment, Sylvie, qui est toujours avec moi sur scène, qui est professeure de chant, avec qui je travaille ma voix, et qui est ma choriste à l'occasion. Voilà. Et ça commence à quelle heure? Alors, ça va commencer à 20h. Alors, bon, 19h30, on peut déjà venir pour la billetterie, et on commencera à 20h. Alors, à tous nos amis là, qui sont dans le sud de la France, la voilà, mais même si vous êtes un peu plus haut, il n'y a pas de problème.
Nice. Ah, moi, j'ai des gens qui viennent d'Aix-en-Provence, voilà, donc de Fréjus. Enfin bon, il y en a qui font le voyage quand même pour voir la bête. Ouais, et oui, et pour voir la bête, la vraie bête de Sèvres, Dani. La bête de Sèvres. Valor. Dani, j'aimerais qu'on parle un peu de. Tu vois, on a sélectionné ensemble, hein, on a sélectionné Oui. ensemble deux de Oui. tes chansons. Et Oui. parmi ces deux chansons, bon, je les aime toutes les deux, hein. Mais parmi ces deux chansons, il y en a une que, je sais pas, Je sais, je crois savoir laquelle c'est. voilà, je l'adore cette chanson, je l'adore. Le titre, Doudou, avant qu'on le fasse écouter à tout le monde, là, aurais-tu, en une, 2 minutes, quelque chose à dire à propos de ce titre? Oh ben ce titre, c'est facile, je l'ai écrit. Bon ben c'est pas on m'a posé la question parce que bon des fois on dit mon doudou, c'est voilà mon chéri, non, enfin si c'est mon chéri, mais c'était mon fils quoi. Et donc quand il était petit, il avait tendance, enfin il avait cette doudou là qui était toute vilaine, en tissu, qui avait plus de forme. Et puis ben il pouvait pas s'endormir sans cette doudou. Alors et ça m'a donné cette l'idée de parler de lui en même temps avec nostalgie, voilà. Eh bien voilà, les amis, ladies and gentlemen, señorita, amigos, tout de suite, doudou, un vrai bijou. Pour que ça rime, doudou, un vrai bijou. Un vrai bijou. Voilà, de Dany Valor, c'est maintenant. Chaque nuit, ton oreiller et qui t'accompagnait au seuil de tes rêves enchantés. Rien qu'une poupée de chiffon, pas belle et sans prétention, abîmée, délavée. Cette grande mare au fond du grenier s'est rendormie la poupée au corps désarticulé, abîmée, délavée, au secret bien gardé que je viendrai. Pour te retrouver, rien qu'une poupée de chiffon, pas belle et sans prétention, abîmée, délavée. Doudou, doudou, petit
Vous l'avez écouté le titre, hein? Quelle pêche, Denis. J'adore le fait. D'ailleurs, j'adore le faire sur scène parce qu'effectivement, côté comme ça, blues, et puis bon, enfin, après ça part. Moi, j'aime beaucoup ça. Et en plus, tu vas dans plusieurs styles musicaux, hein. Ah, oui, c'est d'ailleurs, je le fais exprès. Je veux pas quand on écoute un album, enfin, que tu vois, des fois on s'ennuie parce que c'est un peu la même chose, la même musique. Là, c'est vrai que c'est différent. Il y a des textes différents, des c'est un peu comme un voyage avec des escales différentes. Voilà. Et je sais que les gens me disent qu'ils ne s'ennuient pas quand ils écoutent mon CD. Alors allez-y, les gens, comme disent certains, achetez mon CD. Un très beau CD, vraiment un très bel album. 11 très belles chansons, et très différentes les unes des autres. Il y a un titre terrible. Tu peux m'en parler, non? Lequel? Le titre Chaos. Chaos. Bah oui, Chaos, c'est... Parce qu'il faut pas croire que tout ce que je dis, ça me... Enfin, c'est bien sûr qu'il y a deux mois, c'est certain. Mais bon, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, et ben, je raconte l'histoire de personnes que je connais qui se sont vues comme ça du jour au lendemain larguées et pour qui c'était vraiment comme si qui sont restées KO, voilà. Et c'est ce que je raconte un petit peu, c'est cette situation très très délicate où on se retrouve alors c'est pas moi bien sûr, mais moi j'ai connu quelqu'un après de moi qui était vraiment KO, et ça m'a inspiré cette chanson. Et le style de musique que tu as choisi pour cette chanson? Ben, c'était évident, parce que quand je fais effectivement avec ma guitare, je compose, c'est bizarre, mais c'est vrai qu'il y a des chansons, alors c'est soit des 4-4, ou des du ternaire, mais je le fais involontairement. Tu sais, l'inspiration, on peut même pas dire comment elle vient, c'est là, voilà. À un moment donné, j'ai besoin de prendre ma guitare, et puis de placer des accords et des mélodies qui viennent, ou alors je les entends dans ma tête et je les retranscris. Voilà, ce titre, finalement, c'était évident qu'il fallait en faire un reggae. Voilà, d'ailleurs, j'en ai un autre dans mes tiroirs qui sera certainement aussi un reggae, parce que il est comme ça, il balance, il a le groove du reggae. Du reggae. Et oui. Eh ben, on va partir sur du reggae là tout de suite. On va écouter ce titre. Ouais. Oui. Chaos. Ok, avec plaisir. Chaos, les amis. Chaos. Chaos. Un knockout de Danny. Voilà. C'est tout de suite. Toi, un jour tu verras, tu l'oublieras. Referme la porte à double tour, que le diable l'emporte. Adieu pour toujours. Libère-toi des chaînes bien caché, laisse couler la haine à l'amour mélangé. Chaos debout, rien vu venir, c'est fini. Oublie tout ce que vous auriez pu vous dire. Mais il a choisi, il est parti. Regarde plus loin, tout commence demain. Referme la porte à double tour, que le diable l'emporte. Adieu pour toujours. Tu as tout sacrifié, tout donné.
brader ta liberté, même celle de penser. Chaos, c'est fou, il t'a laissé t'essonner. Tenir debout, un défi que tu vas gagner. Reprendre ta vie, à toi de choisir. Abandonner tous les fantômes du passé. L'amour sans amour, cynique et menteur, n'aura été qu'un leurre. Ah, l'amour, amour, celui qui demain viendra, que tu reconnaîtras. Referme la porte à double tour, que le diable l'emporte. Adieu pour toujours. Libère-toi des chaînes bien cachées. Laisse couler la haine à l'amour mélangé. Encore un peu de bleu en toi. Un jour tu verras. Oh, oh, oh. Tu l'oublieras. Bon, chers amis, excusez-nous, excusez-nous, un petit blanc, parce que si vous saviez ce qui se passe, off, mais c'est ça, c'est le direct. Alors, prenez un animateur radio en direct avec une invitée féminine, ça se passe bien. Vous mettez deux invités féminines, ça commence à être chaud. Alors si en plus de ça vous en avez trois, alors je vous promets. Et la troisième, tu la connais en plus. Voilà, je la connais très bien et je vous promets que ça boue. C'est comme si on était dans une classe d'école, vous voyez. Oh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Wow. Dani. Oui. On a encore une surprise. Ah. Et une très belle surprise. Une très belle surprise. Mmh. Et je pense que c'est une exclusivité pour Montréal Radio Cité aujourd'hui. Ah. De diffuser ce nouveau titre qui sortira bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement légal, mais aussi en single CD. Ah ben vous avez, oui, c'est vrai que ça serait, c'est une exclusivité là pour l'instant, puisqu'on l'a pas sorti là encore. Voilà. Alors c'est un duo. Voilà, c'est un duo que tu as fait avec Léa Duffy. Oui. Et le titre. Oui. C'est une auteure qui m'a contactée par Facebook, qui donc aimait ce que je faisais, et donc on a discuté un soir et on a parlé de nos vies et il s'est trouvé qu'on avait à peu près la même sensibilité, on avait connu aussi des grosses déchirures de la vie. Et donc, elle m'a contactée un peu après pour me demander de faire un blues, et donc, bien sûr, qui parlerait d'un certain sujet, qui est pas facile quand même. Et elle écrirait un texte qui serait la voix du ciel. Et donc, j'avais un mal fou à me dépatouiller avec ça parce que j'ai pris la guitare, ça venait pas. Puis le lendemain, ben, j'ai repris une chanson que j'avais écrite en 2015, mais que j'avais pas jamais travaillé, et puis c'était évident parce que je parlais justement de exactement du projet qu'elle me proposait. Donc je l'ai transformé en blues et j'ai fait on est allé en studio avec deux musiciens géniaux, et voilà, et donc ça a donné ce que tu vas présenter. Ça a donné ce titre, les amis. Ouais. Via le courrier du ciel. On va écouter dans quelques secondes. Alors les amis, je vous préviens, ce titre a une durée de 7 minutes 30. Mais quel titre ?
via le courrier. On m'a même dit que s'il durait 30 minutes, ça serait trop court. Alors, bon, voilà, c'est quelqu'un qui aime particulièrement le blues, je pense, mais c'est vrai que voilà, les gens ne se plaignent pas de la durée. Dans tous les cas, moi, je ne m'en plains pas. Et on va l'écouter tout de suite. On arrête nos petits blabla là. Je sais que les gens ont envie d'écouter ce titre. On va le faire écouter. Et tout de suite, les amis, Danny Valor et Léa Duffy, via le courrier du ciel, toujours je dis du siècle. Du ciel. J'aimerais bien. C'est maintenant. Tes pleurs.
Vous voyez les amis, je vous l'ai dit, 7 minutes 30, c'est passé très très vite, hein. Vraiment, vraiment très très vite. Dani, oui. Toujours là avec moi? Oui, toujours là, près de toi. Dani, j'aimerais, parce que il y a des gens, ils savent pas où te trouver sur l'internet. Ah, ben alors moi je suis sur Facebook, bien sûr. Donc on tape simplement Dani Valor. Avec deux L. Sur ma, voilà, avec deux L. Hein, oui, j'y tiens à mes deux L. Et j'ai Dani Musique également avec un K. Et puis j'ai mon site web www.danivalor.com, tout simplement. Et là, on tombe sur ma page d'ailleurs de Dani Musique où je mets toutes les actualités, où on peut trouver des vidéos. Enfin, on peut voir un peu tout ce que je fais. Et tu es aussi sur YouTube. Et je suis sur YouTube également, oui. Et oui. Oui, d'ailleurs, il va falloir que j'en remette un petit peu là, sur YouTube. Et oui, il faut le dire. Je mettrai la dernière, d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, j'attends que le single soit sorti. Dani, oui. J'aimerais, si tu avais quelque chose, une dernière chose à dire, un message du cœur. Un message du cœur? Ben, écoute, moi, je fais tout avec le cœur. Donc, c'est pas compliqué. Moi, je dis simplement que, dans la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait à traverser, il y a toujours une petite lumière au bout qu'il faut regarder. Et cette petite lumière, on la trouve d'ailleurs en soi, hein, elle est là. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle sorte et qu'on la voit. Et ça nous permet de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, même des fois les plus terribles. Et la musique, pour moi, ça m'a permis, ça a été cette petite lumière qui est sortie de moi et qui est là devant et je la suis. Et une belle lumière qui éclaire beaucoup ton chemin maintenant. Oui, oui, c'est effectivement. Vraiment un très beau message, Dani. Dani, nous arrivons maintenant à la fin. Oui, malheureusement. Et oui, parce qu'on doit continuer le fil de notre émission. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir participé aujourd'hui avec nous. Tous les deux d'ailleurs, toi et Maria, Agnès qui était là, et je salue René, je salue Carole, enfin je salue tous les amis artistes et les auditeurs qui ont bien voulu nous rejoindre. C'était un grand plaisir pour nous de te recevoir, vraiment Dani. Ben c'est gentil, moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous à Montréal, voilà. Je vais retourner en France. Ouais, oui, et oui. Parce qu'il fait froid, il fait trop froid chez vous. Mais fais attention qu'en été, parfois, on a du 45 degrés. Hein. Oui, ben justement, vous avez 45 degrés, moins 40, alors bon, ouais. Moi je préfère que ça quand c'est plus stable. Ben Dani, voilà. La Côte d'Azur, c'est le plus beau coin de France, mais bon, vous êtes à Montréal, donc bon, chacun son petit coin de paradis. Ah oui, eh oui. Je te fais des gros gros bisous. Moi aussi, à très bientôt, et merci pour tout ce que tu fais. Parce que bon, voilà, moi je sais tout ce que tu fais et vraiment c'est adorable. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de,
de le faire. C'est vraiment, ouais, c'est un plaisir. Il n'y a pas d'autre mot. On le fait avec plaisir. Je te dis à très très bientôt, Dani. Je te fais vraiment des gros gros bisous. Moi aussi, j'embrasse tout le monde. Très très fort. Au revoir. Au revoir. Bye bye, Dani. Bye. Eh bien voilà, les amis. C'était Dani Manor. Voyez le direct, comment ça se passe. Pas de formalité. On le fait comme ça, au feeling.